Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma sœur. Aujourd'hui, je vais vous faire 5 looks de printemps avec la marque PLT, Petit Little Thing. Du coup, ma sœur, elle va juger mes outfits, elle va donner une note, elle va dire ce qu'elle en pense, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Un avis honnête, ok? Et bah du coup, c'est parti. J'ai 5 looks à vous présenter. Il y a de tout, il y a des accessoires et tout, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la... Ok, je veux que tu fermes bien tes yeux. Et tu peux ouvrir. Waouh. C'est pas trop bizarre de me voir en robe déjà? Ouais, en plus c'est trop moche. Ah merci. La robe est belle, mais la personne est moche. Ouais, voilà. C'est ça, ok. Du coup là on est sur une petite robe assez fleurie, assez printanière. C'est pas du tout dans ce que j'ai l'habitude de mettre, on est d'accord? Ouais, vraiment. Genre moi c'est tout nude. Là en plus de ça, regarde le sac. Ça n'a rien à voir avec ce que je mets aussi habituellement. Genre j'ai vraiment voulu sortir de ma zone de confort. Ouais. Et là du coup le orange, pourquoi orange? Parce que j'ai voulu faire un petit rappel. Ah ouais? Ah non! T'as gâté? Oui, du coup, est-ce que tu peux m'attribuer une note allant de 1 à 10? 1 étant c'est horrible et 10 étant c'est vraiment incroyable. Et 0 c'est quoi? 0 tu sors! Ah ok! J'ai pas les chaussures pour l'instant, j'ai pas mis les chaussures. Mais on peut imaginer ça avec des petites sandales, je pense. Parce qu'elle a que des baskets. Moi je mets un bon 7. 7 sur 10? Ouais. Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui ne va pas selon toi? Ça manque. En fait, non, c'est juste la personne en fait. Genre, c'est vraiment juste. Ok, bref, on va passer au deuxième look. Donc, je reviens. Ok, tu fermes bien tes yeux, c'est bon. J'ai toujours gardé le même sac. Encore une fois, rappel de couleur. Comme on a dit printemps, on veut quelque chose d'assez coloré. Donc, tu peux ouvrir tes yeux. Avant que tu parles, je tiens à dire que le jean il se porte comme ça. D'accord? Il se met comme ça, ok? Bustier, j'ai pas du tout l'habitude de mettre. Ouais, je vois. Après, faut pas avoir un gros ventre. Non, pas forcément, mais voilà, genre. J'aime bien. En fait, j'aimais bien le petit. Que ce soit ouvert comme ça, j'aime bien. Après, Qu'est-ce que t'en penses? Encore le même sac? Toujours pas les chaussures? Ça arrive, vous inquiétez pas, les choses, non, ça non, arrive. Non, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez déjà vous? D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel look vous préférez entre look 1, 2, 3, 4 ou 5. Mais voilà, qu'est-ce qui me va le mieux? Toi, qu'est-ce que t'aimes déjà? C'est quoi la pièce que t'aimes le plus parmi les trois? Bah, le haut. Hein. Le haut? Ouais. Ok. Le jean, t'aimes ou t'aimes pas? J'aime pas. T'aimes pas? Bah non. T'aimes moins que le non, le... j'aime pas. Tu mets un combien sur 10 au bas? Au bas? Ok, bon, c'est pas sensible. Bon, si tu devais noter l'outfit en entier, comment il me va, etc. Pas selon toi. Ah, faut le noter sur 10 là? Ouais, la fois que tu l'as sur 10. Bah, l'outfit en entier, comment il me va, pas selon. 8 en vrai. 8 sur 10 mmh. Genre en mode, je sors comme ça dans la rue, ça passe. Genre je sors avec toi comme ça? Oui. T'es sûre? Oui. Tu fuis pas? Non. Nana? No way! Je te connais, toi. Bon, ok, c'est validé. Du coup, on va passer à la. Au troisième. Ouais. Troisième outil. Ok. Alors là, la tenue. Alors, attention, ça sort complètement de ce que j'ai l'habitude de mettre. Déjà, je tiens à préciser. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais j'ai des talons. Ok. PLT aussi, les talons d'ailleurs. Regardez, c'est en trois formes comme ça. Ça sort tellement de ma zone de confort. Petit sac aussi. Enfin, très bien. T'es prête ou pas? Sois pas choquée. Non, je suis pas. Ok, 3, 2, 1, tu peux ouvrir les yeux. Non. Non, je peux pas. Ah là là! Ah, c'est le sac qui manque. Le sac! En fait, je t'explique comment j'ai fonctionné pour faire l'outfit. Je me suis dit, encore un bustier, parce que ça sort de ma zone de confort, ok? Ça, c'est bon. Jupe, cette matière la touche? Non, mais je sais pas la matière, ça se voit, je vois. C'est du satin, oui. Et après, les talons aussi. Regarde. Ah, ils sont trop moches, les pieds. Et les talons, ils sont beaux, quoi. Ah oui, les talons, ils sont beaux, mais les pieds. Ah, ok, merci. Et en fait, j'aurais pu laisser l'outfit comme ça, mais ça fait trop vide. Du coup, j'ai rajouté ce petit sac. C'est que c'est pas du tout celle. J'ai rajouté le petit sac pour compléter la tenue. J'aimerais savoir quelle note tu donnes à cet outfit. Un 8,5. Un 8,5. Moi aussi, franchement. Mais toi, ça m'a plu. Allez, va changer. La quatrième tenue. Seulement? Ouais. Ok, quatrième tenue, ok.
Alors, le prochain outfit, j'ai décidé de garder la plupart des autres pièces. En fait, j'ai juste changé le haut. J'ai juste changé le haut, mais ça change tout et ça change toute la vibe de l'outfit, ok? C'est un outfit que je pourrais mettre, je sais pas, pour... Bon, en mode un petit cocktail, je sais pas. Franchement, j'aime bien. Je pensais pas que j'allais autant apprécier, mais c'est le mélange des deux en fait. Franchement, moi, je me mets un petit 9 à la tenue. Genre, je crois que c'est ma tenue préférée, genre comme ça. Du coup, qu'est-ce que je fous? Hein? Que tu peux ouvrir tes yeux au bout de 3, 1, 2. Ah, tu as pas attendu 3 là. C'est là, là aussi. Ah, ouais. Et j'ai toujours gardé les talons, je vous ai pas dit, mais ils sont toujours là. Bah, c'est mignon. Est-ce que t'aimes bien le fait que j'ai rentré ma chemise dans le. Ouais, c'est stylé. C'est ce qui change le truc. Du coup, tu mets combien sur ça? C'est ça. Un 9, un bon 9. Un bon 9? Pour toi, c'est une des tenues. Du coup, franchement, cette tenue validée. Je vais la valider pour les deux camps. Voilà. On va passer à la prochaine tenue. Mais non, c'est fini. Non, c'est la dernière. Là, c'est le dernier outfit. Alors, c'est un outfit archi basique. Genre, j'ai vraiment voulu rester dans le basique. J'ai repris une pièce de tout à l'heure. Très très simple. Il y a juste une petite couleur qui va vraiment casser le tout. Tu me dis ce que t'en penses. On a claqué deux en même temps. Du coup, tu me dis ce que t'en penses, ok? Moi, je trouve que c'est vraiment un outfit qui passe partout. Genre, si t'as la flemme ou quoi, tu mets ça. Donc, dis-moi ce que t'en penses au bout de 3. 1, 2, 3. Ouais! Du coup, t'en penses quoi? Est-ce que c'est un outfit que toi, tu pourrais mettre là? Bah oui, mais c'est hyper simple, genre. Ah, même avec le sac? Non. Le sac, non? Non. Trop flashy? Oui, tu penses que je. Moche, oui. Moi, est-ce que tu penses que ça le fait avec la tenue ou pas? Hein? Ça le fait avec la tenue? Ouais, de ouf. Ah ouais? Ouais. Un 8,5 en vrai. 8,5? C'est archi simple. Je pense qu'on est sur une moyenne globale de 8. Ouais, en vrai. En vrai, de vrai, c'était une moyenne globale de 8. Du coup, dites-moi, vous, ce que vous avez pensé, c'est quoi votre meilleur look? Du coup, meilleur look pour ça, c'était celui d'avant. Pourquoi tu pleures? Je pleure pas, c'est juste. Non, c'est l'autre. Du coup, dites-moi, vous, quel outfit vous avez préféré dans les commentaires. Vous inquiétez pas, vous aurez toutes les réponses dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux et je vous fais de gros bisous!